Dieu, le pauvre homme. Hé, cet arc me sera utile. On va voir si ce truc marche encore. Il faut que je me souvienne des conseils de Ross. La condition physique et la technique ne suffisent pas. Tu n'y arriveras que si tu te concentres. C'est le seul moyen d'apprendre à maîtriser une arme. Je suis trop affaiblie. Il faut absolument que je trouve à manger. Désolée. Bon, retour au camp. Écoute, Lara, tu ne disposeras pas toujours des derniers gadgets pour te dire où tu te trouves. Apprends le langage de la Terre et des étoiles, et tu sauras toujours retrouver ton chemin. Je viens de la plage, et puis plus rien, je me suis réveillée dans une grotte. Il y avait un homme qui me poursuivait, et puis il y avait un cadavre. Oh non. Où es-tu, Lara? Tu es en sécurité? C'était vraiment horrible. C'est de ma faute. Tout ça, c'est ma Lara, faute. Lara, écoute-moi. J'ai envoyé un SOS depuis l'Endurance avant de l'abandonner. J'espère que quelqu'un l'a reçu. J'ai parlé aux autres. On se regroupe sur ma position. S'il te plaît, viens me chercher. Je dois rester ici. Tu peux y arriver, Lara. Tu te souviens du mont Snowdon? Pendant qu'on grimpait, tu disais que la seule option, c'était d'avancer. Il faut que tu escalades la montagne en passant par les ruines. Garde ta radio allumée. Ok. Oh.
De la musique. Eh oh ! Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Je vais passer par là. C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ces symboles ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Oh non, c'est de la folie. Ce masque de nos traditions. Il y a des traces de peinture blanche à l'intérieur. Entendu ? Oui. On a fait du feu. Cherche la fumée. On est en route. Lara, tu es vivante. Sam, Dieu merci. Surprise. C'est bon, il est avec nous. Désolé de vous avoir fait peur. Cet endroit a le don de rendre les gens nerveux. Nous venons de contacter vos amis. Ils sont en route. Regarde, il a soigné mon pied. C'était le moins que je puisse faire. Excusez-moi, je me présente. Je m'appelle Mathias. Je suis enseignant. Je n'ai pas vraiment été formé pour la survie, je le crains. Lara, t'as l'air épuisée. Assieds-toi. Oui. Sam était en train de me parler de la Reine Solaire. Oui, Himiko. Vous pouvez m'en dire plus, ça m'intrigue. Eh bien, croyez-le ou non, il y a environ 2000 ans, la reine Himiko régnait sur pratiquement l'ensemble du Japon. Elle adore raconter cette histoire. Himiko était superbe, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. La légende dit qu'elle avait des pouvoirs chamaniques. En général, vous voyez, c'est là que je décroche. Il y a pourtant toujours du vrai dans les mythes. Elle était à la tête d'une armée de guerriers samouraïs, les puissants gardes-tempêtes. Ils commandaient aux éléments sur le champ de bataille, dévastant tout sur leur passage. On dit que la reine ordonnait au soleil de se lever, et qu'elle régnait sur tout ce qu'il touchait de ses rayons, depuis les mondes jusqu'au mer. Mathias ? Sam ? Sam ! Merde. Ah !
Attention. Ça fait plaisir de te revoir, ma belle. Ça fait du bien de vous voir. Sam est avec vous ? Elle était avec toi. Elle était là, avec cet homme, Mathias. Et je me suis endormie. À mon réveil, ils avaient disparu. Vous n'auriez jamais dû partir comme ça. Il faut qu'on les retrouve. Hé, hey, oh, 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 hé, hey, Ross. Ok, on se sépare. L'un de nous part rejoindre Ross avec Lara. Les autres se dispersent pour chercher Sam. Je vais avec elle. Non, 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 je vais y aller. Vous savez vous servir de ça ? Ça fait longtemps. Mais ça va me revenir. Trouvez Ross. On se charge de Sam et de ce Mathias. Est-ce que ça va aller ? Oui, j'ai juste besoin de me reposer une minute. Très bien. Ne bougez pas. Je vais jeter un œil. Ok. C'est pas si mal. Un sanctuaire. Qui peuvent-ils bien vénérer ? Whitman est... Vous auriez quand même pu me prévenir pour les loups, docteur. Fascinant. Deux styles bien distincts. Ils sont fascinants. Je les ai déjà vus. Oh. Il doit s'agir d'un rituel. Cette figure féminine est particulièrement intéressante. On dirait que ça a été fait récemment. Oui, par les gens de l'île, sans doute. En jugé par ces épaves, ils ont fait naufrage. Tout comme nous. Remarquable. Ouais, reste à espérer que nous ne finirons pas comme eux.
Essayez d'actionner l'autre. Il n'y a pas de poignée. Ensemble. Ah non. C'est pas assez solide. Il me faut un objet qui puisse me servir de manivelle. On va trouver quelque chose. C'est incroyable. Quoi améliorer mon piolet ? L'imagerie solaire, c'est une forme de culte du soleil. Chérie. Je m'appelle Lara Croft. Je suis archéologue. Je fais partie de l'équipage de l'Endurance qui a fait naufrage sur une île dans le Triangle du Dragon. Naufragé se mettrait-il à venir ? Et Lara ? Prête pour faire un essai ? Ok, je suis prête, docteur. C'est quand vous voulez. Cette figure féminine sur le portail, étant donné l'âge des symboles, il pourrait s'agir de la Reine Solaire. Himiko ? J'ai l'impression d'entendre Sam, Dr. Whitman. Il ne fait aucun doute que Himiko avait des pouvoirs. Certains parlent de pouvoirs chamaniques. Il suffit qu'une femme ait du pouvoir pour qu'elle finisse par passer pour une sorcière. Nous ne devons écarter aucune hypothèse, même si cela nous semble irrationnel. Nous avons encore tant de choses à apprendre. Je croirais entendre mon père. Cette histoire s'annonce passionnante, Lara. Si on arrive à y survivre. Incroyable. C'est bien Himiko. Regardez. Le bol, les cierges. Pourquoi est-elle encore vénérée ? Cette île devait appartenir au royaume du Yamatai. Vous aviez raison, Lara. Le royaume perdu. C'est comme trouver l'Atlantide. Sauf que c'est réel, Dr. Whitman. Cette île n'est pas un mythe. Non, mais c'est une véritable mine d'or. Venez, vite. Vos amis sont blessés. Oui, sûrement à cause d'eux. Reculez. Il ne faut pas leur faire confiance. Vous avez encore une arme. Je ne veux pas d'ennui. Non. Nous venons. Non. Mais j'exige qu'ensuite, vous nous conduisez à celui qui fait office de chef. Mais qu'est-ce que vous faites ? Taisez-vous. Non ! Je m'en occupe ! Non ! Ah ! Ah ! Non ! Ah ! S'il vous plaît ! Lâchez-moi ! Non, ne leur résistez pas, Lara ! Ah ! Faites ce qu'ils demandent ! Daimne Pistolet ! Иди. Пошла! Mais qui êtes-vous, enfin? Qu'est-ce que Тихо! Vous... Тихо! Лара! Allons nous послушать, мочи! Ne leur faites pas de mal, Тихо. Vous en prie! Я сказал, а ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Lâchez-la! Lâchez-la! Лара, cours! Non! Non! Окружите! Окружите! Только попробуй, рыб. Мочите их! Эй, amène la prisonnière!